Here we are. Quelle occasion aujourd'hui? Alors si tu veux, Granon Digital c'est très important pour moi parce que moi-même j'ai travaillé avec Michel Granon quand j'étais artiste. Oui. Michel Granon c'était un des plus grands tireurs argentiques de Paris, tu vois. D'accord. Et ce labo, donc je sais qu'il y a un état d'esprit spécial, ils sont à la fois exigeants, créatifs. Et c'est pas une entreprise capitaliste au sens basique du terme. D'accord. Et dès que j'ai rencontré Al, je l'ai amené ici parce que je savais dès le début qu'il devait faire des super beaux tirages. Tirages ici. Et qu'ici, on pouvait, tu vois, faire quelque chose de formidable. Oui. Et François, il a tout de suite flashé, François et Gérard ont tout de suite flashé sur son travail. Oui. Et ils sont devenus aussi des collectionneurs, c'est-à-dire ils ont décidé... De monter une collection avec des photographes qui les intéressent, ouais. En échange d'un travail de recherche. Alors, il est évident qu'à un moment donné, la production, si tu veux, n'est pas gratuite, ouais. Mais que ça a permis de donner un autre standard aux photographies de Al. Ouais. Et ça m'a permis, moi, de proposer à des collectionneurs des tirages qui sont absolument perfects. D'accord. Donc, il y a d'une part les trois formats qui sont standards au Japon, ouais. Tu vois. Al, il est revenu la dernière fois quand on s'est rencontré à la FIAC, tu vois, il est revenu. Ouais. On a retravaillé, donc au fur et à mesure, il valide les images. Et puis, tu vois, il est japonais, il ne parle pas très bien anglais, tu vois, il faut un peu de temps. Ouais. Et là, on a fait en extra un énorme tirage. Montre-moi. Montre-moi. Ah ouais, il est là, derrière la salle. Mais non, mais. C'est trop long. On peut les pousser un petit peu, les tabourets, c'est tout de suite. Ouais, parce que là, c'est un peu trop dans le tirage. Tu vois, ça fait 120 par 160. D'accord. Donc c'est un format qui n'existe pas au Japon. Ouais. Mais qu'on nous proposons à Al aussi ce soir en tirage à ce moment-là pièce unique. D'accord. Tu vois, parce que bon, il a déjà étiré des éditions
A3 et A1 sont des tirages sur 20. Ouais. Les A0 sont des éditions de 15 aussi. Ouais. Donc ça, ça serait unique. D'accord. Donc je lui ai proposé d'acquérir dans ce format toute sa série. Ouais. Pièce unique. D'accord. Voilà, mais tu vois la qualité du tirage. C'est fabuleuse quand même. C'est fabuleuse. Merci Sophie.